Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afen & Co, Afen & Co, la collégiale de la FEN. On en est aujourd'hui au numéro 324 et nous allons aborder dans notre cartographie des événements autour de la formation, des thématiques qui nous enrichissent. On va parler des rencontres de l'africanité. Donc pour ça, il fallait une personne qui puisse en parler. On a trouvé une personne de grande qualité qui a écrit à African Positive Impact en 2020, donc un ouvrage qui aborde ce sujet, et puis surtout qui participe aussi à l'événement, et ce qui n'est pas neutre, Soufiane Frimousse. Bonjour Soufiane. Bonjour Stéphane. Eh bien, première question, on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que représentent les rencontres de l'africanité? Qu'est-ce que c'est? Bien, tout d'abord, avant de répondre à la question, je tiens à te remercier pour cette invitation. Tu me donnes la possibilité à la fois d'évoquer le projet, les principes sous-jacents, la volonté et puis la finalité de ces rencontres de l'africanité. Alors, les rencontres de l'africanité, elles se veulent une rencontre annuelle visant à fédérer, à créer une communauté à la fois de chercheurs, mais aussi des experts académiques, mais également des formateurs, hein, pour tenter de trouver une synergie autour de ce sentiment d'appartenance, de cette fibre qu'est l'africanité. Hein, l'africanité, c'est cet ethos commun, ce fond culturel, cette envie de créer un nouveau récit, en fait, un narratif nouveau sur le continent africain, porté par les Africains, mais pas que, également les personnes qui ont cette sensibilité, cette appétence, ce sentiment fort, ce lien avec ce magnifique continent, la volonté de trouver, de créer des synergies entre les continents à la fois africains et européens, mais également on est porté par le souhait d'innover, de regarder ce que ce continent a à offrir au monde, et il a beaucoup de choses à offrir dans différents domaines. Au niveau managérial, mais pas que, également dans cette façon de faire de la responsabilité sociétale différemment, qui est ancrée dans l'ensemble des valeurs partagées sur ce continent. Alors, comme il y a déjà eu des rencontres, qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, ça a créé d'abord une dynamique collective portée par une intelligence elle-même collective. Il y a eu vraiment un croisement des regards. Je pense que c'est l'une des toutes premières fois, les rencontres se sont déroulées à Paris l'année dernière, c'est vraiment une des toutes premières fois où on a eu des contributeurs africains qui exprimaient, qui expliquaient à la fois les défis auxquels ils faisaient face et les solutions qu'ils envisageaient eux. Trop souvent, on a eu par le passé inversé le schéma, c'est-à-dire qu'on avait tendance à leur dire ce qu'ils avaient à faire et on leur proposait des solutions. Là, effectivement, c'est une démarche à la fois qui émanait des chercheurs, des Africains, et il y avait une volonté de co-construire ensemble. Donc C'est vraiment une vraie l'inversion du rencontre. schéma. Oui, c'est une véritable rencontre, c'est plus qu'une rencontre, je dirais que c'est la création d'une dynamique collective portée par des relations. On ne peut rien construire sans relations. Et là, c'était l'occasion de se parler franchement dans un contexte qui était très difficile, un contexte géopolitique tendue, hein, entre les deux continents, mais il y a vraiment eu cette expression de véracité. Alors, le prochain, c'est quand? Alors, c'est en juin, c'est le 7 juin, et ce sera au Maroc cette fois-ci. Les rencontres seront co-organisées dans deux villes, Rabat et Tanger. Très bien. Donc, ça veut dire qu'il y aura des ateliers. Alors, Comment ça fonctionne à l'intérieur? Il y a des conférences. D'accord. Cette année, il y a une conférence plénière et qui est suivie dans l'après-midi par des ateliers dans lesquels les chercheurs entrepreneurs, je dis bien des chercheurs entrepreneurs, c'est-à-dire des chercheurs qui ont une volonté de proposer des solutions aux défis concrets, hein, sur le terrain qui concernent leur réalité. Le chercheur académique est bien évidemment la bienvenue. Bien sûr. Mais celui qui est porteur de solutions, d'innovation, est souhaité. Pas très bien. Ils présentent, ils expriment à la fois leur désir, leur souhait, et ils font face à la fois des professionnels aguerris, mais également à des financeurs, hein, qui sont potentiellement là pour repérer des solutions qui, demain, seront peut-être les clés des futures locomotives de ce continent, mais pas que, qui peuvent également intéresser à l'Europe, l'Amérique, l'Asie. Bien sûr. Et est-ce qu'il y a un volet formation?
Oui, alors il y a un volet formation. Alors le volet formation, c'est un volet qui est adressé, enfin, qui s'adresse uniquement pour le moment à des chercheurs, à des jeunes chercheurs. L'idée, D'accord. c'est de les amener à développer leur capacité à porter une recherche, action participative, c'est-à-dire une recherche ancrée face dans leur réalité, hein, au terrain, qui puisse à la fois correspondre à l'Afrique réelle. L'Afrique réelle, c'est une Afrique qui est à la fois traditionnelle et informelle. Il faut pallier ce contexte-là. Donc, ce sont véritablement des formations que je souhaite innovantes, hein, qui complètent en fait le dispositif académique classique. D'accord. En C'est quoi une elle le formation. complète? Ça veut dire Alors, c'est qu'ils une mettent en... formation hors les murs, en fait, hors D'accord. les murs universitaires. Un peu un incubateur de talent. Oui, on peut appeler ça une forme d'incubateur talent orienté recherche action avec impact. La D'accord. recherche académique classique, elle a des qualités, hein, elle permet de développer certaines compétences, mais elle a également quelques lacunes que nous tentons de pallier. Hein. De par notre expérience dans le milieu universitaire, on a constaté que le format de formation original qui appartient à une forme de doxa est très bon, hein, pour apprendre à créer de la connaissance, à produire du contenu. Néanmoins, pour le continent africain, sur le continent africain, il comporte certaines lacunes et ces lacunes sont enracinement avec des réalités qui sont totalement différentes, hein, des contextes européens ou autres. Gérer une entreprise à Damas, ce n'est pas gérer une entreprise à Dallas. Il y a des réalités contextuelles qu'il faut connaître. Et seul un chercheur enraciné avec son substrat culturel et contextuel peut être en synergie. Sinon, il est déphasé. Bien sûr. Et alors, ce qui est intéressant justement, parce que tu en faisais part, en disant que ben, finalement, quelqu'un qui se lance dans une expérience qui apporte sa couleur peut tout à fait avoir une résonance à la fois africaine, bien évidemment, mais aussi européenne, asiatique, américaine, etc. L'EdTech souvent le permet. Ça permet de se dire, on peut se déployer parce que c'est duplicable. Est-ce qu'il y a un volet un peu EdTech dans cette démarche-là? Oui, alors les nouvelles technologies sont au service du développement des compétences. Hein. Nous utilisons beaucoup, enfin, nous tentons surtout de développer, on les utilise, mais on tente également de développer les compétences du numérique, hein, sur le Bien sûr. continent. Ce sont des compétences qui permettront à la fois d'être efficaces aujourd'hui et demain. Il y a le volet intelligence artificielle qui est très, très important. Dans nos formations, un chercheur aujourd'hui, il a tout intérêt à savoir utiliser le fameux ChatGPT, comment il peut en faire un assistant et enfin, quelque part se délester des tâches administratives également qu'un chercheur, hein, des tâches routinières qui sont lourdes, hein, donc, et se consacrer bien évidemment sur la valeur ajoutée de sa pensée, de ce qu'il souhaite proposer. Alors oui, nous utilisons et nous faisons en sorte de développer ces compétences numériques sur le continent et voir également comment elles se déploient et comment elles prennent forme par rapport à des apprentissages et des appropriations, hein, des chercheurs africains qui nous permettent quelque part également de faire peut-être des innovations qui demain, ben, seront diffusées. Est-ce que finalement, parce que beaucoup de personnes, quand on discute sur l'Afrique, disent l'Afrique, c'est très bien, il y a un vrai potentiel, il y a une vraie parité de pouvoir d'achat. Ce qu'on n'essaierait pas en France, on peut l'essayer ailleurs, ou on peut aider à collaborer sur place avec des éléments différents, mais trouver de la coproduction grâce à l'avantage économique. Mais ils disent le gros problème, c'est qu'ils ne sont pas connectés. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une vision qu'on a, nous, de loin? Alors, effectivement, il y a une fracture numérique entre le continent africain et le continent africain. Ça, c'est une évidence et c'est une des faiblesses du continent qui travaille pour gommer, hein, pour réduire cet écart, cette fracture numérique. Effectivement, on ne peut pas parler d'un continent qui est connecté. Mais il faut savoir que sur le continent, la consommation d'Internet, hein, et des nouvelles technologies est totalement différente. Pourquoi? Parce que c'est un continent sur lequel la population consomme Internet à travers les nouvelles technologies et le smartphone. En fait, le smartphone a un rôle très important. La consommation d'Internet et de cette technologie est totalement différente. Elle ne se fait pas par rapport par exemple, à ce que nous faisons actuellement, hein, un ordinateur, un PC. Le smartphone a un rôle fondamental. Et la consommation se fait de manière parfois frugale et totalement surprenante. Surprenante. C'est-à-dire
Je prends l'exemple souvent de M-Pesa ou même de M-Kopa, qui sont des compagnies basées au Kenya. Alors, ce sont aussi un groupe qui a réussi à bancariser 50% de la population grâce au smartphone, sans aucune. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les sauts de grenouille, le leapfrog chez les Anglais. On voit qu'il y a une absorption, une appropriation d'une technologie et une forme de consommation qui est totalement innovante et surprenante et qui peut être source d'exemple pour d'autres pays. Y compris la France, qui dans certains domaines utilise beaucoup moins son smartphone que l'Afrique, parce que l'Afrique n'ayant pas d'ordinateur bien souvent, finalement ils sont passés de suite au mobile avec des opportunités qu'on ne retrouve pas. Donc il y a des synergies qui sont vraiment intéressantes qu'on peut construire en la matière. Comme tu disais très justement, il y a un ajustement. Ce que j'aime bien, c'est quand ils n'ont pas de connexion chez eux, eh bien, ils trouvent des bornes Wi-Fi pour se dire, ben, on s'organise pour vous envoyer tous les documents à telle date. Et donc finalement, ils sont agiles. Et donc on peut trouver des solutions, même s'il n'y a pas une connexion et il y a une fracture numérique, évidemment. Mais quand il y a une bonne volonté, finalement, on arrive à trouver des solutions intéressantes. Tout Non? à fait, tout à fait. L'ingéniosité voilà, des caractéristiques des populations africaines qui vivent dans un environnement qui est composé d'invariants. Et l'un des invariants, c'est la logique de survie. Quand on a une absence à la fois d'infrastructures ou plutôt un manque voilà, d'infrastructures, eh bien, il faut faire avec, savoir Bien composer. sûr. C'est plus que de l'agilité, hein, c'est de l'antifragilité, c'est comment d'une situation délicate, incertaine, on peut s'appuyer sur cette situation pour s'améliorer et créer et proposer. Alors ça, c'est une vraie, véritable capacité et compétence qu'ont su développer beaucoup d'Africains. Exactement. Et c'est là où l'avantage d'avoir un handicap, c'est que le handicap permet d'avancer plus vite parce qu'on est obligé de trouver des solutions. Tu citais le mobile. C'est vrai que sur le numérique, ils ont utilisé beaucoup plus vite la bancarisation par les smartphones qu'en France, où on avait des habitudes et des histoires différentes, ce qui fait qu'on est passé plus lentement alors qu'en Afrique. Oui, la trajectoire n'est pas la même. La trajectoire, de par l'histoire, de par beaucoup d'éléments, amène l'Afrique, les Afriques, hein, parce qu'il y a plusieurs pays, il y en a 54, hein, je n'ai pas la prétention de tous les connaître, hein, mais il y a néanmoins un fil conducteur, hein, il y a des points communs, il y a des caractéristiques communes, et c'est cette véritable volonté de proposer une trajectoire différente. Une trajectoire différente de celle de l'Europe ou des États-Unis. On voit que le modèle de développement, le modèle économique, le modèle technologique que proposent ces grandes nations, hein, qui dominent le monde, eh bien, font preuve parfois de carences et puis de limites. Hein. Et une des limites, c'est l'aspect écologique, Tu dirais que pour l'approvisionnement. un organisme de formation, il y en a 120 000 en France, tu dirais que travailler avec l'Afrique, c'est un projet sociétal en disant c'est intéressant, on fait une bonne action finalement, ou il peut y avoir une vraie synergie économique. Alors, pas du tout. Ah, Alors, très bien. Bravo. il faut surtout pas, je pense, hein, vraiment, Oui, bien sûr. on se parle franchement, Oui, bien sûr. je pense que c'est un modèle qu'il faut combattre. Ce regard porté sur l'Afrique, l'aide, c'est beaucoup plus un accompagnement quand il est demandé, s'il est réclamé par les Africains. C'est d'accompagnement, c'est également de la co-construction. Je dis souvent que l'Afrique, c'est l'Asie de demain. C'est vraiment ce sont des territoires qui offrent des opportunités économiques. C'est d'abord un business, des business. C'est l'émergence d'une classe moyenne. C'est également la francophonie qui est très présente, qui offre beaucoup de facilité. Parler français, c'est un atout. Il ne faut pas le négliger. Alors, en ce moment, il y a l'anglais des affaires qui commence à prendre le dessus, mais il ne faut surtout pas omettre la force, le trésor qu'est la francophonie. Absolument. C'est Et qui a un beaucoup. sens particulier en formation, puisque la formation est en langue française, hormis une marge qui est minoritaire, et les 120 000 organismes de formation sont français.
Et donc, ils ont du mal à sortir de la France, ce qui est un problème, un autre problème. Mais ça veut dire qu'on est vraiment sur quelque chose qui peut être commun. Et ça peut être, avec la langue, une façon de lutter contre une américanisation qu'on voit avec tout ce qui est l'IA, tout ce qui est tout ce qui est les GAFAM, les choses comme ça. Effectivement, c'est une façon de raconter une autre histoire, une autre culture qui n'est pas écrasée par la culture dominante, ce qui n'est pas une critique, hein, mais ça veut dire qu'ils ont fait des investissements que d'autres n'ont pas fait. Tout à fait. Nous avons une force. C'est vraiment un atout, cette langue, hein, le français. Moi, j'y tiens. Mes formations, mes cours, je les donne en français. J'ai la capacité à le faire en anglais, mais je ne le fais pas. C'est un choix. C'est un choix parce que l'apprentissage en français permet également un développement d'une forme d'état d'esprit qui est différent, qui n'est pas un état d'esprit basé uniquement sur cette conquête, hein, et la conquête économique qui, pour moi, est à bannir, hein, véritablement. C'est une forme de synergie, une volonté aussi d'apprendre d'autrui. Le modèle de formation ne doit pas être uniquement vertical, il a plutôt vocation demain à être horizontal, car nous avons tellement d'apprendre. L'apprentissage par l'Afrique et avec l'Afrique est un créneau également. Exactement. Même si on parle pareil, on ne pense pas pareil. Et c'est tout l'enrichissement de pouvoir partager. Oui. Tu dirais que comment est-ce qu'un organisme de formation qui veut se dire, j'ai peut-être un appel d'Afrique, j'aimerais bien faire des choses, ça m'intéresse, ça résonne en moi, comment est-ce qu'il fait? Mais je pense que qu'il est nécessaire Il vient dans d'avoir tes rencontres, oui, qu'il déjà? vienne à mes rencontres, Non, mais c'est tout à fait. c'est important parce qu'on rencontre des gens pour de vrai. Bien sûr, c'est Oui. une communauté qui permet de comprendre les soubassements également, les soubassements à la fois économiques, mais pas que, également la manière de faire, la manière de concevoir, la manière de consommer également, hein, de la formation, les ficelles, en fait, les trucs et astuces à connaître dans un environnement des affaires, un environnement politique. C'est toujours mieux d'être accompagné par, j'aime pas cette expression, mais un local qui permet de faciliter, en fait, hein, beaucoup de choses qui favorisent. Se rendre seul sur ce continent, je pense que c'est voué à l'échec. Il faut avoir quelqu'un qui va vous permettre de décrypter, hein, décrypter les manières de faire et de proposer les bonnes formules de formation, celles qui seront efficaces, celles qui seront acceptées et celles qui répondent également aux besoins. Trop souvent, et encore une fois, ce n'est pas un regard, ce n'est pas une critique, c'est simplement un constat que je fais. L'offre de formation qui émane de France et qui est proposée sur le continent, bien qu'elle soit très pertinente ici, en France, elle devient inefficiente sur le continent parce qu'elle n'est pas en adéquation. Et ça, c'est tout simplement parce que nous avons quelque part la volonté de proposer, mais quelque part derrière cette volonté de proposer, il y a une volonté aussi d'imposer, de penser systématiquement que ce que nous faisons ici est valable ailleurs. Hein, c'est le prisme un petit peu universaliste et non pas universel. Alors que le continent africain a également des choses à offrir. Il n'est pas qu'un réceptacle, c'est également un acteur et nous avons tout intérêt à co-construire. Exactement. C'est ce qui fait défaut à l'Afrique. Et donc, l'africanité est un concept qui me parle beaucoup. Parce qu'en fait, que la France soit le référent de la francophonie, c'est assez naturel en France. Et comme on n'entend pas ce qui se passe en Afrique parce que on n'a pas monté des chaires, on n'a pas monté des espaces où on puisse vraiment s'exprimer en dehors de leur giron, ça veut dire qu'il manque effectivement le fait d'avoir des universités qui parlent véritablement et pas simplement des gens qui invitent des Français, ce qui n'est pas du tout négatif, bien au contraire, mais qui puissent créer des choses. On peut penser à l'école 42 qui a monté pas mal de belles choses, mais il manque cette dimension de dire l'Afrique a un regard particulier et donc il faut qu'ils puissent le donner. Et aujourd'hui, avec le numérique, c'est pas très compliqué d'avoir une voix. C'est pas très compliqué d'avoir une voix entendable en France. Simplement, il faut apprendre à se connaître et se rencontrer pour que d'autres personnes puissent faire le lien. Mais le su substrat numérique permet à n'importe quel pays d'Afrique, pour peu qu'il soit connecté et qu'il ait bien sûr quelque chose à dire, qu'il soit entendable en dehors de ses frontières, dans ces cas-là, d'apporter sa couleur à la France. Et ce qui serait très intéressant, justement, c'est de. Moi, c'est ce qui me plaît dans ces rencontres, c'est d'apprendre à des gens à se rencontrer. OK, pourquoi pas, c'est sympa, mais surtout à faire ensemble. Hein. Et ça, c'est quelque chose d'utile.
Parce que les deux en ont besoin. La France a besoin d'âmes et l'Afrique a besoin de la France aussi. Donc les deux, s'ils se rencontrent, ça peut être ce qu'on disait à l'époque, comment on appelle ça, le tiers-monde. C'est-à-dire qu'en dehors des Chinois et des États-Unis qui ont le lead sur le numérique, eh bien, il peut y avoir une troisième voie qui serait portée par ce corps intermédiaire, comme était étymologiquement parlant, le tiers-monde, voilà, et qui aujourd'hui fait défaut, je trouve. Oui, le continent africain et la profondeur naturelle de la France, de l'État français. Absolument. L'État français a tout intérêt à s'intéresser au continent et non pas à l'Asie. L'Asie, géographiquement, c'est très loin, la culture est tellement éloignée, les systèmes des valeurs sont tellement différents, alors qu'il y a une proximité avec le continent. Et une Il y a tout démographie extraordinaire. également une démographie, une jeunesse, hein, Absolument. véritablement, et cette démographie, cette jeunesse, ce sont des atouts. Certains les voient comme des défis à surmonter, certes, il y a des défis à surmonter. Moi, je considère que cette jeunesse est un véritable atout parce que qui dit jeunesse dit dynamisme sur le continent. Est-ce que cette jeunesse est assez formée? Souvent, c'est Justement, aussi ce qu'on entend. alors, il y a. Alors, soyons très clairs, hein, il y a différents systèmes de formation. Il y a des systèmes de formation sur le continent qui sont archaïques. Qui ne sont pas en phase avec les réalités, qui ne permettent pas de se projeter dans le monde d'aujourd'hui ni de demain. Ensuite, il y a tout un système de formation qui est bien au contraire, lui, très performant, avec des infrastructures d'un niveau assez incroyable et avec des philosophies qui, encore une fois, sont hyper intéressantes, elles sont disruptives. Je vais parler du Maroc. Au Maroc, il y a l'université Mohamed VI Polytechnique, qui est véritablement un bijou à la fois d'infrastructure en termes de technologie, mais qui a également un positionnement très clair, qui est de former les leaders africains de demain. Alors, son modèle de formation repose sur, et que je rejoins totalement, hein, qui rejoint une vision systémique, hein, faire de l'interdisciplinarité, en fait, hein, apprendre surtout à développer une pensée critique, mais également développer des compétences clés. Hein. Je reviens, je me répète, mais les compétences du numérique sont essentielles. Elles sont vraiment essentielles. Et la capacité également à entreprendre. L'entrepreneuriat est fortement privilégié, fortement mis en avant et valorisé dans ces parcours de formation. Donc non, là, les Africains ne sont pas mal formés. Ils sont bien formés pour la plupart. Et nous tentons, nous, d'apporter des contributions à travers l'Institut de l'Africanité qu'ils nous demandent. Qu'ils nous demandent. Très bien. D'autant plus que, et c'est là où les rencontres devraient se faire naturellement. Bien sûr, il y a tout, il faut faire les liens, les rencontres ne sont jamais naturelles, mais il y a une vraie pénurie numérique en France. Alors, dans les tech, c'est évident, dans les formations classiques, il y a des talents fous et il y a des moyens, puisqu'on dépense en formation professionnelle 30 milliards par an. Donc, c'est un marché important, 30 milliards. Ça veut dire qu'effectivement, on peut faire des choses. On n'a pas les bras pour ça. On n'a pas les ouvriers numériques. Et en Afrique, ben effectivement, ben ils ont les bras, ils ont des jeunes, pas forcément d'ailleurs des jeunes, mais ils ont déjà des jeunes, mais ça veut dire qu'ils ont des talents et des compétences, et simplement, ils n'arrivent pas à se rencontrer. Et c'est là où justement, il manque du dating professionnel, parce qu'ils se disent, en France, on dit, c'est un peu loin, tous ces pays-là, je ne sais pas trop comment ça marche, donc j'ai peur d'y aller, je n'ai pas cette aventure que je veux faire. Et de l'autre côté, ben, en Afrique, quand ils disent, il faut rencontrer à la limite des Français ou des Européens, on peut voir plus large, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de lieu de rencontre. Tout à Donc, fait. et c'est ça qui est intéressant dans les rencontres, c'est que même si ce n'est pas du business professionnel, ce n'est pas du dating, mais ça veut dire qu'en fait, une fois qu'on se rencontre, on peut avoir des ambassadeurs sur place, on peut comprendre d'ailleurs qu'il y a des écarts et des opportunités. En se disant, il y a quelque chose que je n'avais pas imaginé, des envies partagées. Et là, dans ces cas-là, on peut faire vraiment du business, y compris des toutes petites structures, parce qu'en France, ça reste quand même sur les 120 000 des très petites structures, mais avec des gens pleins de talents qui sont prêts à dire, bah, nous, on se met à disposition, on fait des choses, et les deux s'en retrouvent grandis. C'est ça qui est Oui, fort. c'est la construction de ponts et de passerelles qui est essentielle à cette construction. Ben, c'est notre rôle, hein, c'est notre volonté véritablement de bâtir ces ponts entre la France et le continent africain, mais également entre les pays africains, hein, parce qu'il y a tellement de diversité, les liens ne se font pas naturellement, hein, contrairement à ce qu'on pourrait Oui, croire, mais absolument. l'histoire a créé des formes de fissures, hein, des fautes.
recréer du lien, il faut recoudre en fait d'abord dans un premier temps le continent de manière horizontale et ensuite s'ouvrir à la verticale. Et je pense que les expertises françaises sont reconnues, elles sont appréciées. Et ces expertises, il faut trouver le lieu commun pour les partager. Les rencontres se être l'un de ces lieux. Qu'est-ce que tu dirais aux gens, parce que je donne un peu tout ce qu'on entend, hein, comme ça on en discute, on est d'accord, pas Oui. d'accord, il n'y a pas de souci, aux gens qui disent finalement c'est plus sympa de travailler avec l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, parce que culturellement ils sont plus proches de nous, donc ça veut dire qu'il y a un gap culturel qui est moins important, c'est plus facile de faire la rencontre de l'Afrique. Le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, la bande sahélienne également, c'est une histoire qui est commune avec la Bien sûr. France et le Panier. Il y a une Bien histoire sûr, avec bien sûr. une partie certes tragique qu'il ne faut pas occulter, mais il y a également une histoire faite de belles réalisations. Il faut pas du tout l'ignorer. Et c'est une facilité. On se connaît. Exactement. Donc tu dirais c'est mieux de commencer par des gens qu'on connaît un peu? Tout à fait. Tout à fait. Donc, la notion de confiance est fondamentale hein, quand on tisse à la fois des relations ou quand on tente de monter des projets. Et cette confiance, elle est quasi acquise entre les deux continents de par cette proximité culturelle que tu as évoquée, historique également. Et ce sont des peuples qui se côtoient au quotidien. Et il ne faut pas oublier que l'africanité ou le projet africain français commence en France, à travers sa diaspora. Il y a une Absolument. diaspora africaine qui est très importante. La communauté maghrébine est très forte, très, 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 très présente en France. La communauté sahélienne et subsaharienne également. Et ce sont des diasporas qui n'ont qu'une envie, c'est travailler à l'émergence, au développement du continent. Ce sont également des ambassadeurs qui ont cette capacité à passer d'un monde à un autre et qui peuvent être également des facilitateurs. Exactement. Et ça, c'est une valeur ajoutée. Ce sont des richesses qui, pour moi, ont été très mal exploitées souvent en France. Ces profils, ces hommes et ces femmes hybrides, de double culture, de double nationalité, qui ont la capacité d'évoluer dans plusieurs mondes en même temps, ce sont véritablement des personnes qui ont des compétences et qu'on doit valoriser. Et qui doivent permettre de faciliter ce passage de la Méditerranée. Donc ça veut dire, si on veut s'inscrire, est-ce qu'il y a un site, si on veut s'inscrire aux rencontres de l'africanité, pour pouvoir avoir une première accroche, est-ce qu'il y a un site sur lequel on peut s'inscrire, combien ça coûte? Oui. Alors, les rencontres sont gratuites. Ah, très bien. Donc ça c'est bien. Elles sont gratuites, c'est un choix, hein, c'est un choix. Bien sûr. Pourquoi ce choix? Pour ouvrir au maximum de personnes, puisque s'adresser à une population aisée en Afrique qui existe, mais qui partage quasiment les mêmes codes, qui est une population qui est très proche des standards européens, et c'est un pourcentage qui ne représente pas hein, l'Afrique. L'Africain du quotidien, l'Africain traditionnel, l'Africain de l'informel. C'est quelqu'un qui généralement n'a pas le capital économique suffisamment important pour se payer, pour s'offrir le luxe de participer à ce type de rencontre. Donc, on lui offre cette possibilité-là. Également, les chercheurs que nous ciblons, que nous mettons en avant, ce sont plutôt des chercheurs qui sont issus de l'université publique, même si les gens qui établissent ou qui font des formations doctorales dans le privé sont également la bienvenue. Il n'y a absolument pas de stigmatisation ou de discrimination. Mais on privilégie enfin, cette synergie des populations. On ne veut pas mettre en place des barrières à travers un prix ou un coût qui serait excessif. Donc les rencontres sont gratuites. D'ailleurs, les ateliers que j'ai évoqués tout à l'heure sont des ateliers de pépinières doctorales. Hein, les pépinières doctorales, c'est l'occasion pour des chercheurs de présenter leurs travaux de manière synthétique très rapidement face à je l'ai dit tout à l'heure, à la fois des professionnels, mais également des financeurs potentiels. Et à la fin de ce processus, les 5 meilleurs obtiennent une bourse de mobilité. Alors au Maroc, cette année, nous avons eu le soutien de l'ambassade de France au Maroc.
D'accord, oui. financé les 5 bourses de mobilité. Donc, les 5 chercheurs retenus auront la possibilité de venir dans des laboratoires universitaires en France, donc, et de se perfectionner. Alors, c'est l'une des manières, hein, de créer des synergies, véritablement, hein, parce que ces jeunes vont se perfectionner. Et je pense qu'ils n'oublieront pas la France. Donc, forcément, c'est du soft power, c'est de l'influence. C'est également Et de rendre des maître. bourses de mobilité dans le sens contraire, ça existe? Dans les rencontres de l'Africanité, pour le moment, non. D'accord. Je pense que ça peut être pas Alors, mal aussi. tout à fait, c'est à réfléchir, c'est à développer, mais step by step, Bien sûr, étape par non. étape, hein, les rencontres et l'Institut est jeune, même si elle a Ça existe depuis combien de temps? Alors, l'Institut a été créé il y a 2 ans. Donc, nous sommes à D'accord, la très bien. deuxième édition des rencontres. Nous avons fait une édition donc, à Paris. Nous allons faire la seconde édition au Maroc. Et nous avons également fait une forme d'édition de transition au Cameroun, donc avec le projet Pépinière doctorale. Même schéma, nous avons obtenu 5 bourses et les 5 jeunes chercheurs sont actuellement dans des laboratoires à Montpellier, à Paris. Hein. C'est grâce à un professeur camerounais que nous avons pu mettre en place ce dispositif, le professeur Gouayep. Donc, nous avons la volonté véritablement de l'étendre. Nous ciblons dans les prochaines années au Gabon. D'accord, très bien. Donc, ce qui est très intéressant pour les entreprises qui ont envie de coproduire quelque chose, c'est qu'il faut trouver des relais. Et je trouve que les rencontres et ton travail de ce que tu fais, Soufiane, c'est quelque chose de particulièrement intéressant parce que d'abord, tu es quelqu'un de reconnu, de crédible. Quand on parle de bourse doctorale, forcément, c'est un niveau forcément doctoral. Donc, c'est un parcours particulier. Ça veut dire qu'il y a une certaine qualité qui est donnée. Et donc, ça donne un gage de sérieux, d'entrée en matière. Et petit à petit, on tisse ces liens. Les rencontres qu'on fait, elles sont celles qu'on doit faire. Et ça permet à chacun de trouver ses marques. Mais au début, il vaut mieux rentrer par des gens qui ne soient pas des gens qui sont des faiseurs de rêves. Voilà. Et donc, je trouve que c'est une très, très belle porte d'entrée pour tous ceux qui le désirent. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. N'hésitez pas à y aller. L'année dernière, il y avait combien de personnes? Nous avons 175 participants l'année dernière sur Paris avec 135 ou 140 Africains hein, qui sont venus de différents pays, hein, qui ont, dans un contexte difficile, ça a été compliqué pour eux d'obtenir les visas, les fameux visas, mais ils les ont obtenus. Donc c'était de très belles rencontres et la seconde édition s'annonce aussi passionnante et je pense qu'elle sera de bonne tenue et de bonne facture avec la présence à la fois d'institutionnels. Également de grandes entreprises qui vont nous soutenir, des entreprises notamment françaises, le groupe Renault. Donc, Et donc, alors déjà, premier élément, les visas dans l'autre sens sont plus faciles à obtenir, déjà. Et donc ça, c'est important pour ceux qui s'interrogeaient. Quelles sont les grandes thématiques qui vont être abordées de la prochaine session? alors, la prochaine session repose sur la notion de mobilité, justement. La mobilité, est-ce que la mobilité permet le développement, l'amélioration des compétences et développer son employabilité? Alors, D'accord. la question s'adresse à des experts, aux entreprises, mais également aux chercheurs. Et comment la favoriser, cette mobilité? Très bien. Est-ce qu'il suffit de traverser la route pour trouver un emploi? Voilà, donc ça c'est mon côté taquin. Très très bien. En tout cas, merci beaucoup. Les gens qui t'ont apprécié dans ces cas-là, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour te contacter? Alors, à travers le site de l'Institut de l'Africanité, ou bien ils peuvent me trouver sur les réseaux professionnels, Soufiane Frimousse, très facilement. Très bien. Tu utilises lequel Décoding. LinkedIn, très bien. Absolument, impeccable. Donc n'hésitez pas, en tout cas c'était passionnant. Soufiane Frimousse, n'hésitez pas à vous inscrire nombreux parce que c'est quelque chose qui est enrichissant, qui permet une réflexion, une mise en distance et puis surtout des rencontres. Et c'est ça qui est important puisque l'appellation c'est les rencontres de l'africanité. Donc ça serait ballot qu'on rencontre personne. Merci beaucoup, à très bientôt Soufiane, au revoir à tous. Je te remercie Stéphane. À bientôt.